Le ministère du Bonheur. Après avoir été promu par de nombreuses et heureuses âmes, grand poète, quels furent être émus par ce que j'écrivais. Quand je me mets à écrire, plus rien ne pourrait m'arrêter ou me déranger, puisque l'abîme autour de moi est vierge de pages blanches. Alors que je me fis plaisir, il me vint soudainement une idée miraculeuse de mettre ce projet de poésie un jour au point. Votre ange de l'amour et serviteur, le poète romantique, ce des fleurs, le vingt août 2013, Daniel Cupidon.